Allez, contact, on se tire. Hop, merde. Oh. Raconte-moi cette histoire que j'adore. Quand René Saint-Cyr, donc la mère de Lautner, il mettait des filtres. Il faut dire que René Saint-Cyr a été une grande, grande star, une star du cinéma dans les années 30. Elle était la Brigitte Bardot de son époque, une très jolie femme. Et donc, j'avais une scène avec elle, et Georges, pour lui donner un teint un peu plus clair... Georges Lautner, donc. Georges Lautner, son fils, on mettait sur la caméra un filtre. Un filtre, ça atténue beaucoup de choses, ça t'enlève un peu les rides, ça te rajeunit, quoi, un filtre. C'est une sorte de lifting caméra, tu vois. Et alors, je tournais avec elle une scène, et puis après, on fait le contre-champ. Et ils oublient d'enlever le filtre sur la caméra. Au Roche, j'avais 16 ans. J'étais forcé de refaire la scène. C'est vrai ? Forcé de refaire mon plan, quoi. Mais c'est quand même curieux que le mot commissariat vous donne des névroses. Il y aurait bien une solution, mais elle est malhonnête. Coucou, c'est moi ! Je ramène un juge ! Non mais à qui tu racontes ça ? Vous n'avez pas ce qui s'appelle la physique de menteuse. Superbe que vous soyez revenu. Mais c'est insensé, ça ! Tu vires une copine, t'installes un mec ! Si je dérange en quoi que ce soit... Non, non, vous dérangez pas. Vous indisposez. Pour moi, un juge, c'est un poulet. Et j'aime pas les poulets. Alors là, on est passé à ça du César.